on les met en tir. Donc on va se mettre en position là-bas pour pouvoir commencer à partir. C'est le même que c'est la fiche, je vous ai vu, je sais pas si voilà. Donc merci beaucoup d'être là. Et on va s'installer là-bas tranquillou et on va y aller. On y va. Tranquillou, on va être tranquillou. On y va. On est chaud. Ah ben il fait chaud aujourd'hui, il y a le voile. C'est plus chaud que... Là, nous sommes à Place de la Nation, donc nous allons prendre l'avenue du Trône, le 66e acte des Gilets jaunes, samedi 15 février 2020, voilà. Donc vous allez voir peut-être des panneaux par rapport à ce qui s'est passé le soir du 13 et du 14 février, hein, pour les LREM, voilà. Gilets jaunes. Bon, on a toujours bien sûr la police, hein. Qu'est-ce que vous voulez, on est des stars, hein, depuis plus d'un an et demi qu'on est là. Que ça, les idiots là. Ah bah voilà ce qui s'est passé le 13 et le 14 février, hein, pour la Saint-Valentin. C'était beau pour la Saint-Valentin. Voilà, c'était son affiche, Paris m'habite. Paris m'habite. Ben oui, hein. C'est comme ça. Ouais, mais elle a tellement habité que ça l'a tué, quoi. Elle l'a tué politiquement. C'est l'a tué politiquement. Elle est sympa. Un sac vert, Air Force a été perdu. C'est tic-tac, il y a une bombe dedans. Ben oui, c'était son slogan à Griveaux, Paris m'habite, oui. Bon, on a vu ce que ça a donné. Hein. Comme je vous dis, on est bien protégés. On doit être des vedettes ou alors je pense qu'il y a des terroristes parmi les gilets jaunes. Oh ouais. Oh, on n'est pas fatigués. Non, bon, à quoi ça vous fait penser les deux colonnes? Bon, on va pas faire des mauvais esprits, non? Quoi? Carioca. Qu'est-ce que vous en pensez des gilets jaunes? Tranquille, bon enfant. En général, c'est tranquille, c'est pas... Non, parce qu'on avait des affrontements là, mon fils était au collège, il en avait plein le nez, il avait oui, mais ça c'est pas nous qui mettons le gaz, hein. C'est ça le problème, c'est que alors, tout le monde est gazé. Avec les pompiers. Ah ouais, mais les pompiers, oui, mais c'est pas les pompiers qui mettent le gaz, hein. Ouais, mais c'est qui
Oui, mais bon, à un moment donné. C'est des gens qui trinquent. Moi, j'ai eu très peur. Bah oui, mais même nous, un trinque, on n'a même pas le droit d'amener des trucs pour se protéger parce qu'ils disent que c'est des trucs de protection, comme si on allait faire quelque chose. À chaque fois que je fais des manifestations, quand j'étais jeune, je n'ai jamais. Parce que vous donnez un signe, dès que vous mettez un truc, ça veut dire que vous allez castagner. Et il faut rentrer dans leur psychologie. C'est-à-dire que si vous êtes en. Non, mais vous ne pouvez même pas le mettre dans votre poche. Et à un moment donné, il y a du gaz, ils veulent pas que vous le mettez. Attendez, on n'est pas, moi, je ne suis pas mazo. Hein, mais là, ça se passe bien, apparemment. Oui, ça se passe bien, non, mais pourquoi pas. Oui. Moi, je pense que si ça continue comme ça, il n'y a pas de raison. Ils ne sont pas fous, ils ne vont pas vous gâcher pour. Parce qu'il faut voir que tout ce que fait maintenant. Bon, je ne sais pas, vous voyez, hein, vous allez avoir le chômage, vous allez avoir les APL. Vous avez vu qu'ils voulaient, au niveau de l'âge, les handicapés, ils voulaient qu'au niveau des handicapés, que l'handicapé, on prenne en compte le revenu de son conjoint, tout ça, que la FI s'est défendue que non, que l'handicapé, il a son propre truc, il n'a pas par rapport à son conjoint, tout ça, quoi. Ils veulent casser tout. Quand même un peu. Ce n'est pas ce que vous demandez par baisser, hein. Il y a de la plaie qui part, hein. C'est pas le chômage qui baisse. Avoir de l'assistance partout, ou alors... Oui, l'assistance, vous pensez que les handicapés, ils n'ont pas besoin d'assistance, les handicapés? Ils veulent baisser les espaces des handicapés. Comme qu'ils ont à fatiguer. Non, mais attendez. Ils remonteront, je veux dire. Non, mais il y avait plus de pauvreté qu'il y a deux ans. Alors attendez. Mais quand les gens travailleront plus, peut-être que les handicapés seront plus considérés aussi. Oh non, mais faut pas. Non. Thank you.
samedi 22 février, de 10h à 18h, la place de la République 3e. De 10h à 18h, apportez boissons, poissons et autres. C'est déclaré en préfecture, avec l'aide du rond-point de RP Route Ronde de Fontainebleau. De joyeuses fêtes. Bon, c'était Noël là, c'est passé. L'avenue du trône. Samedi 15 février 2020. Après ce qui s'est passé le 13 et le 14 février, les élections municipales pour l'AREM. Nous allons vers les buts de Chaumont. On va passer place Gambetta. 66e. Acte 66, gilet jaune. On est là. On est là.
Thank you.
et tout là-bas. Devant. Ça va? Ben oui, ça va. Ben, en fin de compte, elle est arrivée trop tard. Je lui ai dit de. Contrôle les médias, contrôle les personne en haut. Là en haut, hein, à droite. Elle s'est mis un masque. Elle a des renforts là. Là on est passé à Porte de Vincennes, on est à gauche. Là on va aller vers Gambetta et ensuite Colonel Fabien pour rejoindre Butte Chaumont. Bon. C'est un petit coup de périph' là, parce que je suis là. Ah, toi je te sens tenter. C'est le meilleur. Pour le 14, j'ai une opération. Pour le 14. Portes de Montreuil.
le pipi était à droite, mais bien sûr, il y avait des trucs. Il était fin à vos problèmes de nuisibles. Tiens, ça, c'est pour nous, ça. Ouais, comment on peut mettre fin à un problème de nuisibles? Les municipales. Attention au vote caché, plutôt aux listes cachées de LRM. Votez pour des petites listes alors. Voter blanc, c'est favoriser LRM. Ou les listes qui disent pas qu'ils sont LRM. Votez pour les petites listes. Samedi 15 février 2020, acte 66 des Gilets jaunes. Ah. Il y a quelqu'un en haut qui a un bonnet jaune, mais je sais pas s'il a fait exprès. Il y a quelqu'un en haut qui a un jaune. Oula, ça court là. Wow, 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 ça court. Oh, elle. 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 Allez. Rue Blanchard à droite. Ils sont peut-être toujours sur le boulevard d'Avenue. Thank you.
Oh, my God.
Là, nous sommes arrivés à Porte de Bagnolet. Nous sommes partis de Nation pour l'avenue du Trône. La Porte de Bagnolet, on va tourner à gauche, rue Belgrand, pour arriver à place de Gambetta. Samedi 15 février 2020, 66e acte du Gilet jaune. Porte de Bagnolet. Qu'est-ce que c'est comme camion là-bas? Bon, les équipements. La 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 la. Les gilets toujours, souvent maintenant. Soit on est des stars, soit il y a des terroristes parmi nous. Alors, il n'y a que les oiseaux qui peuvent voler librement. Je dis qu'il n'y a que les oiseaux qui peuvent voler librement. Ah, j'ai pas encore vu de drone, mais il y en a peut-être pas. Changer. Jaune, la la la.
si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Voilà, nous sommes à Porte de Bagnolet. On va repartir. Vous voyez au champ, on va repartir vers Paris, vers la rue Belgrand. Soixante cinquième acte des Gilets jaunes, samedi 15 février 2020, avec ce qui s'est passé 13 février et 14 février, les élections municipales avec LREM, Rivoserie. Ah. Oh, vous pouvez y aller, hein. Faites juste attention aux flics, c'est tout. Là, nous étions tout à l'heure pour une petite pause à la Porte de Bagnolet. C'est la prière
pour dégager Macron. Hein, s'il y a une prière pour ça, qu'est-ce qu'il est prêt à la faire? La location de bar Édith Piaf. Bon, la légende dit que c'est par là que serait né. Sur mon métro porte, il est annulé. Et puis
j'ai un ordinateur, si je voyage. Voilà, c'est ouais, je suis sur Linux. Place Gambetta. Là, c'est la mairie du 20e arrondissement. Samedi 15 février 2020. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Parce que des fois, Oui, je sais, des fois je suis sur Facebook. Ouais. C'est souvent chargé quand même. D'accord, mais bon courage pour vous. On vous suit, hein, merci beaucoup. Sur Facebook, ouais. Je la vois pas. Une décision par le peuple. On avance, on avance. Une décision par le peuple. Allez, on avance. Samedi 15 février 2020, acte 65, les Gilets jaunes. Là, nous sommes partis de Nation, porte de Bagnolet, la place de Gambetta qu'on a quittée il y a quelques minutes. Là, nous sommes au métro Gambetta, mais la place de Gambetta était derrière nous. Nous allons vers Père Lachaise, après nous allons nous diriger vers Belleville, Butte de Chaumont. La 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 la. Une maison particulière qu'on a à notre droite.
avec la façade comme un donc, bonjour à gauche, c'est le Père Lachaise. Le Père Lachaise est à notre gauche. Oula, la dame, elle est pressée. Vous pouvez passer là. Wow. Et une voiture tout à l'heure elle est passée, franchement elle n'avait pas le droit de passer normalement. J'avais fait ça devant une voiture de flic. Bon. Samedi 15 février 2020, nous sommes arrivés au Père Lachaise. Nous sommes partis de Nation, porte de Bagnolet, après rue Belgrand, place Gambetta, avenue Gambetta. Là, nous arrivons au Père Lachaise, on a tourné à droite, nous allons vers Belleville, place Colonel Fabien, et retourner un peu à droite pour arriver vers le but de Chaumont. 65e, acte des Gilets jaunes. Samedi prochain, il y a un point de rassemblement pour ceux qui veulent, de 10h à 18h, déclaré à Place de la République, pour un genre de rond-point de Place de la République. C'est déclaré. Ça peut être un point de rassemblement, les gens qui peuvent passer. Voilà, amener quelque chose à manger, c'est pour offrir, à boire. Là, nous, là donc, nous sommes vers notre droite. Non. On va à Belleville. Belleville, quoi. Belleville. Oui, là-bas. Ouais. Ouais, je pense qu'on devrait passer par là, puisqu'il y a le colonel Fabien, je pense. Puis après, on tourne à droite. Vers, juste un peu à droite, on a le but de Chaumont. C'est près du but de Chaumont, mais une des entrées du but de Chaumont. Voilà. Plus dans une semaine, dimanche 23 février, donc dans une semaine, il y a ici, ils refont Gambetta, vers là, c'est le carnaval de Paris. Bah, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont être déjà déguisés sur le parcours, après chacun peut faire ce qu'il veut, je pense. C'est chaque année, en fin de compte, le carnaval de Paris. Je le comprends pas. On a rien.
Vous trouvez que le monde il va bien.